Bonsoir. C'était trop long là. Il faut mettre la télé. Il faut remettre la télévision. C'est l'heure de manger un bonbon. Merci beaucoup, bienvenue à Chez Chaud Radio. Excusez-nous, il a parmi son dentier. Tous les soirs, le soir t'as chaud. Pourtant, t'as une denture. Mardi, on m'a dit que t'avais une belle denture. C'est vrai. Pour une fois qu'on te fait un compliment. On n'a pas dit que ça. Une fois. Oui, on a dit qu'on était beau aussi. Et qu'on n'était pas maquillé. Donc, c'est qu'on n'est pas des pots de peinture. Et pourtant, vous êtes maquillé là, rassurez-moi. Un peu les yeux, quoi. Ça a pu rester grand chose. Après 15 jours. C'est le regard de cochon que vous avez, c'est ça. C'est celui que t'aimes bien. Bah oui, exactement. Mais je l'aime quand il est de bas. Du bas, tu sais, genre en mode. Ah oui. Avec la bouche. Je te le ferai tout à l'heure. En bas. En bas. Allez, foire la mycose. C'est parti. Allez. Comment ça va tout le monde? Super. Ça va. Mon petit Kevin, comment tu vas? Ça va. Oh bah c'est super. Alors, hein, comment ça va Laura? Ça va très bien. Ça va Vince? Ah, t'as cru qu'il avait sauté, hein? Ça chienne. Il était content. Ouais. Comment ça va, Hélène? Ça va. Ah, je t'ai fait une feinte. Tu m'as fait un dos, là? Dis donc. Non. Je demande à Hélène, moi je suis un tampon. Oui, c'est vrai, tu as bien tout à fait. Au moins, tu suis, tu vois. Sinon, impeccable. C'est vrai, Hélène? Bah, je t'avais répondu, hein. Attends. Bah oui, et la radio, c'est pas visuel, donc je n'ai pas besoin de te regarder, je t'écoute. Eh bah, ben, heureusement. Comment ça va, Stéphane? Impeccable. Sébastien, toi, sorti des toilettes, de toute façon. Mais comme d'hab. Tes coulisses à toi, ce sont les chiottes. Un petit pipi. Comme à chaque fois, tu vois. Pour ne rien cacher. Pour ne rien cacher, c'est très gentil de ta part. Aujourd'hui, nous sommes pour une émission spéciale. Nous recevons un TikToker au multicasquette. J'ai regardé un petit peu son TikTok. J'ai tout fait, toutes les vidéos. Tout. Alors on va en parler après. Hein. Tout. Vous saurez tous la vidéo. Alors, c'est toujours le problème de TikTok, c'est que c'est plus visuel que sonore. Donc à la radio, je n'ai pécho que 3 extraits. C'est dommage. Mais je vous inviterai à aller suivre donc le TikTok de ce jeune homme que nous recevons dans les studios de TSO Radio. Son surnom c'est Gizmo, son blaze, comme on dit dans le terre-terre. C'est ça. C'est Gizmo, on en parle dans quelques instants. Juste avant, on a des séquences qu'on a envie de faire. Comme ça, TSO Radio, c'est l'horoscope, la tendance sexuel en horoscope de chacun de nos invités, de nos chroniqueurs et de nos auditeurs. Gizmo, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui te fait plaisir? T'es assis sur quelque chose peut-être? Non, pas encore. Pas encore. Ils ont laissé le ventilo les enfoirés. Quel est ton signe astro? Sagittaire. Tu es sûr? Ah ouais, j'ai réfléchi. Hein. Bon, alors on va voir si ça s'agite hein, pour les Sagittaires. Donc écoute bien le Sagittaire, l'horoscope. C'est maintenant, c'est tout de suite sur TSO. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour, on tirait la météo. Aujourd'hui, il fait chaud. Ah oui, elle n'avait pas remarqué. Alors, Bélier. Alors, Vince. Vous serez décidément ce formidable jouisseur de l'instant présent. Quelle fougue insensée que notre Bélier qui demande toujours à recommencer. Ah mais décidément. Hein. Moi je suis toujours bien chaud bouillant, il est chaud bouillant. T'es toujours en train de baiser, ouais. Toujours. T'es épuisement. Des raisins secs, il est. En plus avec la chaleur, ça fait quand même. Ah mais là, carrément. Ça glisse tout seul. Ah, merci pour cette intervention tardive, mais intervention quand même. J'aurais peur de recommencer trop tôt. Regarde, j'en perds mon masque. Oh, dis donc. J'en perds mon latin. C'est la meilleure séquence de Stéphane cette semaine. De l'émission. Alors, on continue. Oui, s'il te plaît. Alors, taureau. On continue. Alors, s'il n'y avait plus que le sexe dans la vie, nul doute qu'un taureau puisse durer en beauté et volupté. Vous aurez la sensualité à fleur de peau, ce qui vous rendra exigeant et nul ne dénichera de meilleur amant que vous. Taureau, hein, c'était. Ouais, ouais. Oh. Il y a des taureaux déjà? Oui, c'est moi. Ah, il s'en rappelle jamais. Jamais. Il y a des taureaux? Ouais. Alors, j'ai. Taureau, il a des cornes, quoi. Petite. Gémeaux, joueur et séducteur, vous opterez pour un érotisme ludique et romantique, fait de frôlements, de points d'interrogation et de désirs inachevés. Je vais bientôt frôler ton ventre. Pardon. C'est pas beau. Fantasmes et projections à volonté pour un cache-cache d'émotions qui vous mènera, quoi qu'il en soit, au grand frisson. Ah bah, ça fait transpirer le président, regarde. Tu ferais une liste de naissance, hein. Alors, tu ferais une liste de naissance.
Pourquoi ? Bon, je sais pas. Un bus d'éléphant. Ah, la rumeur, on a dit qu'on l'a lancé, maintenant. Alors, cancer, vous serez un doux au cœur tendre. Seul le rêve créera chez vous le désir. Votre corps sera un violon de vibrations qui éveillera la sensualité. Vous magnifierez le sentiment par les caresses en pleine sexualité romantico-cérébrale. Oh, c'est chiant ! Oh, ouais, ça, c'est pas... Cancer ? Qui est cancer ? Cancer, ouais. Oh, c'est chiant, hein. C'est nul. Faut que t'arrêtes de caresser, hein. Faut que t'ailles dans le fond. Ouais, non, là, franchement, c'est pas... T'as dans le fond, je suis pas ta mère. Non, ça est fragile, les cancers, là. Ouais. Ça dépend de la métastase, pas les métastases, tout ça, quoi. Oh, les métastases. Alors, Lion, vous trouverez que le chemin le plus court jusqu'à l'extase est le meilleur. Vous devrez redoubler d'attention dans l'art et la manière de réussir les préliminaires, ce qui n'est pas spontanément dans votre façon de faire. Pardon. Bonjour. Vierge, contrôle de soi et érotisme ne font pas bon ménage et il faudra vous laisser apprivoiser pour parvenir à atteindre l'orgasme. Laissez tomber le débridé et vous vous épanouirez dans une délicieuse vague de plaisir. Sachant que nous avons un vierge qui est bridé ici. Je t'emmerde. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Tu sais qu'en plus, quand je l'ai écrit, j'y ai pensé. Ah, oh bah oui, tu savais que c'était pour moi et. Le débridé. Et notre vierge. Alors, Marie. Balance, vous développerez une complicité sur l'oreiller. Les cœurs qui s'entendent et les peaux qui se comprennent vous feront tendrement glisser vers un érotisme subtil, beaucoup plus cérébral qu'animal. Scorpion, votre tempérament extrême donnera rapidement à vos ébats un petit goût de combat pour gagner en interdit volupté et complexité. Un ouragan de sensations fortes vous poursuivra jusqu'à l'oreiller, quitte à vous noyer dans de tortueux détours. Tu vas faire des trucs chelous, toi. C'est ça. Des tortueux, des trucs. La mort féroce. Sagittaire. L'érotisme sera pour vous un très vaste continent dont votre côté explorateur sans pudeur et sans reproche n'aura pas fini de faire le tour. Découverte, exploration et expérience sont des mots que vous appliquerez en vue d'orgasmes sans conséquence. Tu vas lui faire le cul. Tu vas lui faire le cul. Découverte, pas mal, hein, exploration. C'est pas mal. Comment elle s'appelle, madame? Elle est scorpion en plus, elle est scorpion. Ah, ça fait un beau match. Hein. Ça fait, je pense que là, ça peut. Pas mal, hein. Ça va taper fort. C'est hein. Pas mal. Ça nous dit pas son prénom, tout ça. En vrai, je sais pas si. Ouais, Cécile. Ah, c'est comme ouais, tu veux. Direct, allez, c'est bon. Comment t'as dit ? Cécile. Ah, c'est. D'accord, j'ai cru qu'il y avait une mais je sais pas laquelle. Laquelle c'est pas laquelle. C'est laquelle l'officiel. Tu me pousses dans la merde. Tu me pousses dans la merde. Ah, j'ai jamais dit que l'émission t'allais la face sortir à thème. On fait un petit coucou à Cécile. Oui, coucou à Cécile. Alors, ce soir... Capri... Oui. Non, pardon, pas, vas-y, continue. Je sens que ça allait être pas mal, en plus. Non, vas-y, j'ai perdu le fil. Capricorne, discrétion et contrôle vous offriront une drôle de carapace face au plaisir. Confiance et mots doux, pudeur et classicisme, manière de faire et préliminaire auront pourtant raison de vos inhibitions et gare à l'explosion de désirs trop longtemps comprimés. Tu vois, tu comprimes. Non, du tout, je suis bien. Je comprends, mais quand tu vas lâcher la sauce, mon gars. On va être deux hein, dans ce cas-là. Une sauce à nem. Et à nous deux, je pense qu'on peut ouvrir une pâtisserie de flanc. Bah non. Oui, pense... Ah, mais vous étiez là, vous nous écoutez. Ouais, on est là, on vous entend. Alors, Verseau, vous situerez le sexe entre sport coquin, fête d'essence et courant d'air de sensations fortes, avec des jeux fripons et des petits délires en perspective. Des jeux fripons. Poisson, vous surferez sur les vagues du plaisir, tout comme vous pourrez vous noyer dans un tsunami nommé désir. Vous n'aurez pas le contrôle de la situation et la moindre entreprise de déstabilisation vous troublera. Ça va, T'avais pas encore trop attaqué la bouteille, arrivé au poisson. Non, puis tu, pas... tu voyais encore dans les glaçons. Il n'y a plus de petits poissons avec des écailles. Dans le sens des écailles. Caresser dans le sens des écailles. Non, ça vole. Ah, c'est fort ça. Hein. Très très fort. C'était le poisson ? Oui, ça y est, c'est terminé. Merci c'est terminé. Beaucoup. Je ne sais pas où tu achètes des boules, mais. Ouais. Bon, bah, comme d'habitude, on peut remettre le dos à une autre séquence. On est toujours dans le temps, c'est magnifique. Hein. On se met bien aujourd'hui, on se fait bien. Nous avons un invité aujourd'hui. Hein qui est Sagittaire. Qui est Sagittaire. Sa nana est Scorpion, c'est ça ? Bienvenue, ouais, c'est Cécile. C'est Cécile. Donc ce soir, quand tu rentres, c'est... Elle est pas là. Ah. Tu pourrais faire un TikTok quand même là-dessus, non ? Ouais. Sur le résultat du... Non, déjà que je suis banni de TikTok pendant une semaine. C'est là. Vrai ? Ah, ouais, moi aussi. Qu'est-ce que t'as fait ? Non, en vrai, en fait, TikTok, j'ai l'impression que plus t'es drôle, plus ils te mettent des barrières. Ah bah c'est pour ah ça, c'est ça, après ça. Qui détermine si t'es drôle c'est TikTok. Non mais c'est... tout ce qui est humour noir, humour un peu sexuel, tout ça. Oh c'est con. Ouais. C'est tout ce que j'aime. Tout le temps c'est... C'est pour ça que j'ai été banni définitivement en fait. C'est pour ça que TikTok, notre TikTok part pas en fait. On est trop drôle. Ça doit être ça. Je reste... Faut
faut d'ailleurs, faut mettre ma chanson, ma danse, My Bestie là. Ouais. Ah oui. Je te l'ai envoyé, hein. Ah bon? Ouais. Ah bon. Je sais pas en fait, je regarde. Gizmo est avec nous ce soir, le TikToker. Oh, combien d'abonnés? 85 000? Non, j'avais 65 000, mais j'ai arrêté plusieurs mois, du coup j'ai 59 800. Donc c'est sur Instagram que t'es à plus de 80 alors? Ouais. Ah, hey, mais j'avais 110 000. Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait j'ai fait une coupure parce que ça, Instagram ça me plaisait plus du tout. Du coup j'ai fait une coupure, là ça fait depuis soit août 2017, soit août 2018, je sais plus, mais Instagram c'est plus trop mon ah quand même, pourtant ah, ouais, tu pourrais vendre des trucs, tu pourrais devenir influenceur, je sais pas, des Tampax, non j'imagine, tu pourrais faire comme toutes les influenceuses, ah là là les gars, je viens de recevoir ma commande de Tampax, c'est trop content, je suis trop content. Je vais m'empresser de tester. Je vais m'empresser de me le mettre et je viendrai vous dire en story la sensation que j'ai eue quand je me le suis mis. Hein. T'as jamais vu des TikTokers? Si. Non, moi je me disais qu'il pourrait comparer à toi pour faire des trucs quoi, avec ses cheveux quoi. On peut faire un truc point, ensemble. C'est pas mal, c'est pas mal. Avant, on peut après, faire un avant, après, 20 ans, 40 ans. Voilà. Voilà. Après, mec, mes cheveux hein. Donc, plus de 80 000 maintenant sur. Y a YouTube ou pas? Ouais, mais en fait, YouTube ça prend trop de temps. Bah, tout, parce que. Tout prend du temps. Non, en soi, TikTok. C'est plus rapide. C'est vraiment rapide. Que YouTube, il faut faire le montage, il faut bien monter, il faut avoir une bonne idée. Ça, je te confirme, il faut bien monter. C'est, ça prend vraiment trop de temps. Et t'as une chaîne YouTube, mais tu fais du. Enfin, ouais, je fais du gaming, ouais. Donc, du coup, bah, et aussi, pour mes 1000 abonnés, j'ai fait 1000 bottle flips. Oui, j'ai vu, mais heureusement, ça en accéléré par contre. Ah ouais, bah ouais. Parce que sinon, c'était long. Ah ouais, ça en plus, ça avait énervé mes parents parce que j'étais sur la terrasse et il faisait chaud, du coup, j'avais laissé la porte ouverte. Et toutes les deux secondes, on entendait. Ah, la bouteille. Ah ouais, mon père regardait la télé, il faisait que péder des câbles. C'est bon, t'as fini avec ta bouteille, la merde. Fallait en faire 1000 réussis ou 1000. Ah ouais, 1000 réussis. Ah ouais, ah ouais, non, ouais, c'est ah ouais. Okay, il y a 1000 semaines, comme ça, toi. Quand soudain, le millième est arrivé. Ouais. On va approfondir ces magnifiques sujets dans quelques instants sur TSO Radio. Vous restez là à la suite de l'émission avec Guillaume, alias Gizmo sur les réseaux sociaux, TikToker, Instagrammeur, YouTuber. On en parle tout de suite. Bougez pas sur TSO. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.